Et c'est le meute, c'est Shadow. On est parti pour la suite des aventures sur Jump Force. On avance un petit peu de personnage, on est à peu près au niveau 10, 12, je crois. On est bientôt au niveau 13, de mémoire. Donc, on va aller continuer un peu le scénario. Donc, pour l'instant, ce qu'on en sait, Sangoku et son équipe protègent les dimensions des méchants qui veulent tout détruire, quoi, grosso modo. J'ai même pas le temps de dire ce qu'il a raconté, le mec, en fait. Ok, tout ça pour... Ok, bon. Bah, je vais revoir Sangoku. Il hein. y a pas de truc pour savoir, en fait, où faut aller. Tu sais, il n'y a pas genre une carte pour dire... prochaine mission, c'est par là. Ah bah tiens, voilà. Mission. Mission gratuite. Ah non, c'est la mission clé. Mission clé. Maîtriser les venins de New York. Ok. C'est une mission, oui. La carte, c'est triangle. Ok, donc ce sera écrit pour moi. Salut pizza. Bienvenue à toi, en tout cas. Alors, bah, on va commencer par mon perso. Ah, mais c'est vrai, putain, c'est vrai que j'ai pas Vegeta, je suis con. Ah oui, j'ai que les gentils aussi. Et bon, on va se prendre un petit Zoro. Ouais. Et on va se prendre... Tiens, Kakashi pour changer. J'ai pas très peu utilisé Kakashi encore. C'est pas un personnage qui joue beaucoup, Kakashi. Parce que Kakashi, pas utilisé. Kakashi est bourré. Kakashi a un trou... Non. Si Kakashi pas... Kakashi le cul bouché. Bon. Oui, bah j'ai pas dit que toutes les impros que je faisais étaient bonnes. Hein. Merde. Ah non, surpris. Non, direct. Alors, dites Excel de combat, bâtard. Feuille de capacité, rayon. Ouais. Tiens, ça j'adore celle-là. Coup de poing dans la gueule. Rayon astral. Mancha. J'adore ces techniques de rayon astral. C'est un des premiers mangas que j'ai regardé de A à Z de Yu Hakusho. C'est conclu, détecter les changements d'attaque et de soutien. Maintenant, attaquer et battre votre adversaire. Ok. Ah merde. Ah c'est bon. Éclair profondeur noir. Oh, un sous-sano éclair profondeur. Nice. Ah oui, il est joli celui-là. Et merde. Ah si, j'ai chopé. Avant sa technique. Oh, c'est con pour toi. Eh merde, je vais faire un clone, mais il n'a pas eu le temps de pirer.
Et je vais voir l'ulti de Zoro déjà. Arcane des 3 sables. Ishidai, Sansei, Dai, Den, Tseng, Tsekai. J'ai préféré les techniques type Asula, avec les, tous les mecs autour. J'aurais trouvé ça plus sympa. Pardon. Ashida Tenden Tsekai. Ah oui, bah c'est ça. Merci Pizza pour ton... pour la touche. Crépa Bulma, je sais pas, mais en tout cas, c'est une moto de Dragon Ball, ouais. Ok, sur Namek, il y a 7 yeux de liberté. Logique. J'en bave devant. Yeah!
Non mais. Ah, y'a pas besoin quand même. Ah, voilà. Un coup, putain. Bon, moi je level up déjà numéro 13, c'est cool. Mais je comprends mieux. Ok, alors le côté un peu zombie, il est pas. Voilà. C'est bizarre, je suis même, c'est assez chelou. Moi je dis ça, j'ai rien, mais c'est un petit peu chelou quand même. Surtout venant de Sensei Vegeta. Kaioken. コズミックキューブの回収を指示してください。 了解しました。 回収シークエンスを起動します。 終わったか。父さんが悪の道に戻ってしまったのではないかと気が気でなかったですが、キューブは回収しました。おい、これはどういうことだ。俺にも分かるように説明しろ。それは私から説明する。君を操っていたのはコズミックキューブ。キューブの力はそれを宿した本人の意思によって善悪どちらに転ずるか決まると考えられる。君が善の意思によってベノムズではなく
Un frigo doit avoir du barbecue. Mardi. Ah, Vegeta qui rejoint la Team Force. Voilà, j'ai mon allié. J'ai mon allié numéro 1. C'est bon. Les germes du mal, chapitre 1 terminé. C'est pareil, hein. Ah, d'accord, c'est les planètes. Donc je pense que ça doit être le méchant, hein, à mon avis. Je vois que ça. Peut-être trop cuite. Hmm? C'est trop cuit, non? Non. Luffy, Son Goku, Vegeta, Piccolo, Wa Hancock. Ah, qui est prochain coéquipier? Centre de l'Amérique du Nord. Qui ça peut bien être? Qui peut bien être au centre Amérique du Nord? Bonne question. J'adore la tête de mon perso. En mode, je me suis pris une patate tellement fort, j'ai un œil en moins. Je te vois pas. Ah, alerte. Alerte général! Alerte général! Venomous a arrivé à l'heure. Des culs? Non, Amérique du Nord, non. Amérique du Nord, ça a été All Might.
Bah Deku le Japon, théoriquement. Théoriquement. Ryo Saiba est au Japon aussi. Trois quarts des mangas sont au Japon. Et t'as mission bleue, mission rouge. C'est quoi mission bleue? Kira. Ah, bah tu sais que Kira, j'ai pas vu. ベノムズ支配下地域の奪還と、まだ見ぬ世界、まだ見ぬ仲間を探すことじゃ。ベジータのおっさんみたいに、また強いやつが見つかるといいな。誰がおっさんだ。生意気なガキめ。親の顔が見てみたい。確かに。ベジータほどの戦士がそうそう見つかるとも思えんが、世界の海もまた広い。 Au cas où je te préviens déjà, Toto Mew, tout ce qui est pub vaut mieux que t'évites parce qu'il y a pas mal de modérateurs ici. Tu risques de te prendre un ban sans le vouloir. Et non, je connais pas. Et sachant que j'ai pas beaucoup non plus de followers, c'est pas pour ça qu'il faut venir faire sa pub ici non plus. D'avance, merci. Que déjà en premier quand on est poli, on dit bonjour. Quand on arrive sur un live. C'est quoi ça? Ah non, d'accord, ça c'est les armures de. Ok, c'est kimono Kenshin, costume, ouais. Ça doit être Kenshiro le vagabond, Vegeta. Ah d'accord, donc Deku fera partie de cette unité, ok. Mission clé. Nettoyage, si tu veux. Non, c'est pour ça, je préfère prévenir, comme ça au moins il prendra pas mal. Qu'on dit l'éducation avant la répression. Oh, bah sérieux? Non, mais on est au Japon. Oui. Nickerson, alors c'est toi qui as un travail pour moi. J'y crois pas. Et bah. En même temps, ça m'arrange. J'ai mes deux coéquipiers préférés, Vegeta et City Hunter. Donc je vais essayer de me faire City Hunter. Aniki. Et Ali Aka Ryo Saiba. Et contre toute attente, eh ben, j'ai kiffé le film. Pourtant, je suis pas un fan de Philippe Lachaud,
Bah honnêtement, le film City Nicky Larson était vraiment très bon pour moi. Tu sais, faisant de base qu'il fallait pas y aller en mode profane et compagnie, mais c'est vrai que là, très bonne surprise. Tu crois que les balles me font quelque chose? Avale ça! Ah, c'est chelou, il n'a pas voulu l'attraper. Ah, si, quand même. Le Kamehameha dans le fion pendant qu'il fait une roulade. Pas le premier tiers, mais après, oui, il est cool. Oh, quoi que le premier tiers, les petites. Bon, c'est des blagues pompon cucu comme le psychologue avec les photos, jusqu'à convoyer son photo où il tire à l'arc, et tout comme ça. C'est un peu pompon cucu. Mais bon. Ce truc, je serais dommage, c'est que le double utilisation de la scène avec Mammouth dans le truc de chirurgie esthétique. Il utilise une fois la scène, il dit assez longue, ils remettent encore une couche, quasiment la moitié de la scène qui dit à longue de base. C'est ce truc qui est dommage, sinon le reste, non, moi je vais aimer. Bon, rien nouveau le film Broly, je te l'accorde, mais il était pas mal. Oh my godness. Il tombe sur la bonne personne en plus. Le garçon irréfléchi. Qui peut être un gamin irréfléchi? Gon, peut-être? Et... Gon! Putain, je suis trop mal. Vas-y. Le chat toujours en train de faire de la merde, le chat de merde. Pardon. Merci. Laisse-moi régler ça tout seul, je suis un grand garçon. Toi, je vais te tuer. Ok. Vas-y, me donner un coup de main. Faut savoir. Tout seul ou pas tout seul? Mon dieu, ça mioche pas.
On t'a déjà dit, Boruto, faut savoir ce que tu veux dans ta vie. Alors ferme ta gueule. T'éviteras de dire de la merde. Petit comme un chou, quoi. Bon, l'album, c'était vite fait. Boruto, hein. C'est une victime. Mais son clé, il pique quand même dans le jeu. Et tes techniques, là, le lancer de. Quand il lance son clone devant, ou même son ulti, il peut piquer sa race, hein. Madame, tenez. Merci, monsieur. Après l'autre c'est le bouffon, mais le bouffon ça peut être qui parce qu'il y en a tellement. Il a bien dit Sokka, vu que c'est quand même l'antagoniste de l'autre. Mais il y a tellement de personnages qui peuvent faire les bouffons. Ça va être dur de choisir. J'irais bien Hisoka le bouffon, c'est le clown. Clown et bouffon, ça va bien ensemble. L'élève silencieux, un gars qui aime la bagarre, le blason au dragon. C'est le bouffon, le blason au dragon. Bah ça doit être un mec de Black Clover ou de l'autre, la Didan, que je connais pas. Alors qui ça peut bien être? À Paris. Il y a un bouffon à Paris. C'est une insulte. Salut SVN Gaming, salut à toi. Bienvenue sur l'app de Shadow. J'espère que tu auras ici choix, prospérité, bonne ambiance. Et que tu apprécieras le live autant que nous on apprécie de le faire. Tout simplement. La folie est remplie. Zoro. Qui est d'elle? Hisoka, mais je l'avais dit! Par contre, après les autres, je vois pas du tout qui ça peut être. Regarde-moi pas comme ça, je suis tout émoustillé.
Allez, dégage. Littéralement, traversé en deux. Excuse-moi, hein, je faisais que passer. Ça pique un peu quand même. Hein. Le mec s'est fait littéralement traverser. Moi j'aurais bien voulu un Byakuyaku Chiki. Ça aurait été kiffant. Avec les effets de lumière que fait Summon the Glow, Kageyoshi. Avec toutes les pétales de fleurs de cerisier là. De partout, ça aurait été tellement beau. Tu veux qu'au début? Ouais. Bah enfin je pense oui parce que le jeu j'ai pas commencé à très longtemps donc je suis ouais, encore au début. Je sais pas s'il est très long le scénario. Après bon le potentiel c'est comme pour Xenoverse et les autres jeux dans le genre. C'est le combat après mais je sais pas si le scénario est long. L'élève silencieux. Le gars qui aime la bagarre, ça je suis sûr que c'est Yusuke Urameshi. Le gars qui aime la bagarre, je vois bien Yusuke. Tu sais, seul qui peut être assez con pour ça. À Hong Kong. Ah, ça se peut. À Hong Kong, ça se peut peut-être. Eh, moi je veux juste de finir le chapitre 1, c'est le chapitre 2 là. Donc. Non, Luffy, je l'ai déjà débloqué. Luffy, il fait partie du spot de base, poto. Là, c'est que les personnages qu'on n'a pas. Donc, déjà, le spot de base, t'as Vegeta. T'as Son. Ah, c'est Yusuke. Il a été sûr. Asta je connais pas. Asta je connais pas. Asta, D-Day et compagnie, je connais pas. Les Black Clover et toute la série comme ça, je connais pas. C'est des mangas que j'ai jamais regardé. Après, faut pas que je mélange aussi, parce qu'il y a encore, comment il s'appelle, il y a Jotaro, il y a Dio. Il y a tellement de persos. Plus tous ceux qui arrivent. Je crois qu'ils ont lancé 6 ou 7 persos, 6 ou 8 persos en plus. Lancé. Faut pas ressort initial. これで終わりだ。これは
Oh, Larry, c'est le mage. Le secret, j'adore son outil, le coup de poing. Éjecter le mec en l'air et le... Le rayon astral, il est magnifique, ma chérie. Il est magnifique, ma chérie. En plus, le Yusuke, lui, il a carrément les cheveux noirs qui poussent d'un coup super long, les tatouages sur la gueule et tout. Il est badass. J'ai dit, on était monté à 9-10 personnes. Quand je fais ça, c'est qu'on a 9. Ça se met où? Tu vois où? Là. Ah, d'accord. Et toi, sur ton téléphone, tu vois, là, t'as un petit aussi numéro. Ah non, tu vois. De temps en temps, il y a le... ça apparaît sur la converse. Ouais, c'est pas faux. Ouais, toi, tu vois pas. Pas avec ce téléphone-là. Et bien de me voir moi-même. J'aime perdre une partie parce que le chargement a planté. Je suis arrivé avec 5 levels de retard. Aïe, d'accord, ça pique le cul, quoi. Est-ce que dans tous les personnages de Jump Force, il y en a un qui ferme sa gueule? Non. Ah, le garçon silencieux, ça peut être Kurapika. L'élève silencieux, ça peut être Kurapika. C'est le seul qui parle pas trop encore. Celui qui a les yeux écarlates, mais je suis pas sûr par contre. Ça ferait trop de personnages, je pense, de... Ça ferait trop de personnages de la série Interact Center. Le blason dragon, à mon avis, c'est soit... À mon avis, c'est... Oh! Bâtard! Le jeu a planté. Hero de la puta. Ça va sauvegarder au moins? Je sais pas. Mais de toute façon, t'as une sauvegarde de mettre quelque chose, mais genre... Super! Retour menu principal. J'adore. J'adore les données. Deux fois que ça te le fait, quand tu testes un dieu, tu testes quel dieu? Bouddha. Avec les oreilles de chat. Jésus. Résus. Yes, Alors j'ai le choix entre soit Shadow, soit Kaylee. T'as pas entendu. Résus. Jésus. Résus. Jésus. Oh. Non. Non, pas ce genre de blague, s'il vous plaît, madame. Nous sommes dans un live professionnel. Oui. Résus, Jossus, ça n'a rien à voir, ça n'a pas à voir. Surtout que tu imagines bien que là, la blague que je vais te raconter finira sur YouTube. Merci, madame. Résus, Jossus. Non, yé, ta gueule aussi, hein. Ça va? Résus, Jossus. Le pire, c'est que là, je le vois sans entendre. Merci. Voilà comment pour une vidéo en 2 secondes.
Ça y reste un quart d'heure encore. Là, je m'entends revenir. T'as une gueule de merde, toi. T'as pas de bouche? Oh. Eh bah, noir sur noir, c'est... t'as plus d'histoire, vas-y. Et après, c'est moi qui ai une humour de merde. Oui. Ah merde! Alors, mollo quand même, hein, si c'est Black Vazos, hein, parce que au pire des cas, tu le vois dans le chat. Le chat verra. Si vous regardez bien, le chat au-dessus de ma tête apparaît dans la vidéo. Bon, les elfes censurés, on avait dit que c'était qui? On avait dit que peut-être Kurapika. Je vois pas qui d'autre en même temps. Non, je vais éviter plus tard. Ah, c'est Jotaro, élève silencieux. Toi, j'avais dit qu'il y avait peut-être Jotaro que je pourrais me mélanger. Blague de merde à dire. Attends, je viens de déconnecter comme une idiote. Un boulet. Non, si, voilà. Là, c'est marqué. Ouais, voilà. Toi, t'en as un plus que moi. Ah, bah, tu vois. C'est parce que je me que suis moi, je pense que moi, il me calcule pas dedans en fait. Ah, oui. Aïe, aïe, aïe. Commence pas. Va t'acheter une nouvelle casquette. Pleine puissance. Ah bah vas-y. J'aurai des problèmes sinon madame, vas-y que je rigole. Je veux pas qu'il y ait des problèmes à cause de ça. Ah bah je m'en fous. Oh le... l'arrêt sur image, le point qui arrive dans l'anus. La différence entre un enfant cancéreux et une blague. Les deux durent pas longtemps, c'est ça? Mais j'ai trouvé un truc encore plus pourri que ta blague en elle-même. J'ai peur du résultat. C'est qu'une fois que tu l'as dit, tu l'as oublié, non? Tu vois. On retourne encore bien, genre. C'est mon boulot, l'humour noir, en même temps. Et tu critiques ma blague de merde? Oui, ah oui, 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 oui. Moi, je fais l'humour noir, c'est construit. Voilà. Oh l'enfoiré!
Salut Monster, dit Luffy. Oh la blague. Il arrive au bon moment, en plus. Oh l'enfoiré, le Lord. Je t'écoute, dis-moi. Dis-moi, petit Luffy. Que puis-je pour toi? Je suis en train de penser avec. Moi, j'allais dire, au moins la blague, t'arrives à t'en souvenir. C'est un peu pour le cancéreux. Ouais. Qu'est-ce qui est petit et marron? J'ai une réponse, mais c'est pas ça. Merde. Un marron. Merci Merlin. Qu'est-ce qui est petit et marron? Une merde. Elle saisit la réponse. Elle cherche pas la réponse. Elle te sort. Je suis trop premier. Qu'est-ce qui est petit et marron? Une merde. Ok. Bon. Et bah. Merci. On te rappellera. On peut faire du 2 contre 2 sur Jump Force. Genre quand je dis 2 contre 2, vraiment 2 contre 2. Tour par tour. Non, attaque du tour par tour. Que comme c'est du 1 contre 1 dans tous les cas, tu peux pas avoir 2 personnes. C'est un peu comme quand tu faisais du. Enfin, je pense. J'ai pas encore essayé en tout cas. Mais à mon avis, c'est comme du. C'est comme quand tu faisais du Naruto Storm. C'était une équipe contre une équipe en fait. Mais pour l'instant, j'ai pas vu d'affrontement à plusieurs sur la même map. Pour l'instant, j'ai vu que des trucs limités vraiment à un joueur par un joueur. Alors, qui est cet enfant de dragon? Enfin, le blason de dragon. Hein, c'est quoi ça? Ah, ben c'est ça, c'est Dai. C'est Dai de Dai. Le seul que je connaissais pas. Pas de soucis, Luffy. Mollo le mec là. Il pique en plus en Paris. C'est un peu ça quoi. Moi, tu sais quoi, dans ce truc là, j'aurais trop vu un Natsu Drakenir, j'aurais trop vu une Erza Scarlet, un Grey, toi les personnages comme ça, ça aurait été tellement kiffant. Ils ont mis Yugi, ils auraient pu limite mettre
Lucy avec ses clés de Zodiac. Genre son outil, c'est toutes les clés qui attaquent en une seule fois. Ça, t'es tellement kiffant. Ah, Kira, j'ai te regardais pas l'écran. Le voilà, Kira Ryuk. Par contre, ils sont mal faits, hein, je trouve. Je trouve que sa tête est mal faite quand même. Je sais pas, leur tronche, j'aime pas. Pour une fois que je trouve un défaut dessus. Bah, mais même l'autre, la tête qu'il a, il est un peu déformé au niveau de la tronche, je trouve. C'est quoi, Bibing? C'est pas toi? Non, mais dans le jeu, Bibing. Bah, bzz, 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 c'est un autre bruit, ça, bzz, bzz. Alors, maintenant que j'ai fini ça, faut que j'aille où? Mission de la G-Force, Yusuke. Ah! Petite mission avec Yusuke. Yusuke Urameshi. Putain, je peux monter les je me fais gueule dessus. Ta gueule! Respecte-moi. Putain, minuteur. Alors, viens voir. C'est horrible, toute la ville est en ruine. Thank you.
Oh, il m'a foutu un coup de la diac, en fait. Tu joues à ça? Pourquoi vous fuyez à chaque fois que j'avance? Des peines? C'est ça? Tu fuis? Ah, elle passe à côté la tête. Alors, jambe à la diable? Non, c'est jambe du diable. Ah, yes. Qu'est-ce que t'es beau comme ça, mon vieux. Qu'est-ce que t'as une belle tronche. Je kiffe ce perso. My name's Woody. You're my favorite deputy. Yee-haw, cowboy! Et oh, la console. Tu l'as jeté dessus. Eh ben les gars, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va faire une petite pause. On va arrêter là pour ce soir parce que moi demain boulot, donc je vous dis bien à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, peace.